Look at that now. Regardez là maintenant. C'est une invitation à toute la terre. Il leur dit, s'il vous plaît, bienvenue à la maison, au royaume préparé pour vous. Et lorsque vous lisez plus loin maintenant, alors maintenant vous comprenez que la seule raison pour laquelle ils célèbrent, le ciel entier s'enflamme dans les flammes, les flammes de réveil, célébration historique, jubilation historique, félicitations historiques. Pourquoi? À cause du vêtement. Quand vous l'église, quand vous portez le vêtement, alors le ciel entier s'enflamme. Ne prenez pas votre salut pour une blague. Votre salut n'est pas un événement de groupe. Oh, je veux venir à l'église. Mais tu vois maintenant, maman va dans une autre église. Je voulais vraiment venir maintenant, mais tu vois, je ne veux pas diviser la famille. Aïe! Il dit, votre salut n'est pas un événement de groupe. C'est une décision singulière. Vous ne pouvez pas vous tenir devant le Seigneur en ce jour. Pourquoi n'es-tu pas venu dans le ministère de repentance et sainteté? Afin que tu sois préparé pour le royaume de gloire comme le reste. Seigneur, tu sais, ma mère avait l'habitude d'aller dans une autre église. C'était difficile. Je ne pouvais pas venir. Vous ne pouvez pas utiliser cela en ce jour comme votre défense. Car chacun se tiendra seul devant le trône de Dieu. Aïe! Et pourtant, cette génération, ils se soucient beaucoup des opinions publiques. Que dira ma maman? Que dira mon frère? Que diront mes amis? Que diront les gens? Aïe!